Donc on bossait avec un restaurateur, un garçon vraiment exceptionnel. Il faisait les dorures des statues. Sauf que lui d'habitude quand on lui demande de faire une dorure d'une statue, on lui demande de rénover une pièce d'antiquité. On lui demande pas de dorer 1 milliard de Napoléon. Et là il a craqué. La monotonie de voir des Napoléons tous les jours, c'était trop, il a craqué. Il a dit qu'il en pouvait plus et on n'a plus d'horreur. Comment on va faire? Il faut qu'on trouve une solution expressément. Il faut que sur Nice, on contacte tous les gens qui ont un rapport de près ou de loin avec la dorure. Qu'on trouve un plombier, j'en sais rien, on trouve quelqu'un, on le convainc. On avait commencé il y a quelques mois, c'est vrai, mais là, Raphaël, juste avant de partir, il nous a tendu une formation et il nous a montré comment faire juste avant de disparaître dans les méandres de la vie. En fait, c'est même pas vrai, il bosse encore avec nous. Juste 30% de ce qu'il bossait avant. Et du coup, on a été à même de montrer à nos plus fidèles soldats, à nos soldats d'élite, comment est-ce qu'on dorait. Et maintenant, on possède maintenant des doreurs fous, il faut le dire. Je vous présente notre Stéphane National, mon soldat d'élite. On a fait appel à 4 doreuses. On a eu des devis, on leur a laissé une statue, on a vu ce qu'elles pouvaient faire et parce qu'on a envie de contrôler l'ensemble du process tout seul, on a finalement décidé de dorer nous-mêmes. Je pense que la chose la plus difficile mais la chose la plus agréable, c'est de piquer le travail des doreurs dans la ville de Nice. Ça va? Bienvenue. C'est un travail qui demande de la minutie. Beaucoup de patience. Je suis assez patient et la dorure, en fait, ça teste vraiment ta patience et ça demande beaucoup de concentration aussi. Donc ça me plaît beaucoup, ouais. Et moi, en fait, chaque statue, j'éprouve beaucoup de plaisir à le faire dans la mesure où le rendu, à chaque fois, bien qu'il soit uniforme, il est toujours unique. Donc les gens, en fait, achètent quelque chose d'artisanal. C'est pas juste poser des feuilles et parce que c'est l'or, ça va être beau. C'est vraiment pas ça. La feuille d'or, je crois qu'elle est en petite, elle fait 0,01 mm. Un souffle, elle s'envole. Si elle est mal posée, il y a un pli. Et c'est très dur à reprendre. Très très dur à reprendre. Une retouche, ça peut être 1 mm de blanc qui se voit à l'œil nu de 2 mètres. Et c'est pas tolérable. Donc, il faut avoir un protocole, sinon on passe une journée sur une statue. C'est juste quelque chose de, comme l'a dit Roméo, c'est quelque chose de minutieux. Vouloir faire des bonnes choses. Vouloir faire des belles choses, c'est important. Et vraiment, le summum, c'est le paroxysme de la beauté et de l'art, c'est la dorure sur le Napoléon. Le Nietzsche est beau, le Napoléon classique est beau, le Napoléon doré est excellent. L'énervement que je peux avoir, il ne sera pas tellement sur les belles éditions, ce qu'on appelle les belles éditions. Bon, bah, ça n'a pas bougé avant, on faisait des trucs comme ça, même si c'est pas si vieux. Mais je veux dire, on dit, bon, ok, on met une forme de cuir avec des dorures, très bien. Et maintenant, on fait à peu près pareil. Donc, ça reste des beaux trucs. Mais c'est vraiment beau. Ben oui, oui. Mais le vrai problème que j'ai, c'est quoi? C'est le livre de poche. Attends, je peux en trouver un moche? J'en trouve un moche. Je pensais à un moche. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est-à-dire qu'il y a un truc à la modernité qui est assez fantastique, c'est que pour 5-6 euros, tu peux avoir ce chef-d'œuvre qui est Voyage au bout de la nuit, un truc incroyable avec évidemment des dossiers en plus, tu vois, plus dossier de Stéphane Ferrari. On remercie Stéphane Ferrari, y a pas de problème. Donc ouais, tu peux avoir un poche comme ça pour pas grand-chose. Mais pourquoi faire des trucs moches? Pourquoi le truc, ça ressemble à un générique de France 2 plus qu'à un livre? Pourquoi avoir mis ces trucs-là alors que l'œuvre de base, pourquoi pas, tu vois? Mais quelque chose de simple. Ça, on peut pas, mais c'est indéfendable, mais c'est les mecs. Non, mais là, ça, c'est même pas l'édition, ça, c'est le fait d'avoir ça qui est inadmissible. Mais ça, c'est lui qui a dû décider. Laisse Robert Kiyosaki en dehors de tout ça. Mais après, ouais, c'est tout le problème avec ça. Pourquoi je l'ai pas lu? C'est aussi parce que il faut un truc qui soit lisible dans le métro. Si t'es comme ça. Mais tu le fais relier. C'est compliqué. Tu l'emmènes chez un relieur. Mais attends, parce que moi, je voulais parler de trucs plus subtils. Là, ce dont tu me parles, c'est pas subtil. Tout le monde sait que ça, c'est de la merde. Sa petite médaille, là. C'est pas le pire. Je crois que le pire, c'est celui-ci.
J'ai fait l'erreur d'acheter cette édition, j'ai accepté. Je l'ai dans la librairie. Bonjour, machin, je voudrais gêner de la morale. Oui, bah on l'a, il est là. Oh, l'aubaine, il est à 5,60€. Tu vois, super, on me donne une belle offre pour 5,60€. Mais qu'est-ce que j'ai avec ces 5,60€? J'ai cette couverture qui ne veut rien dire. C'est très moche. Et il y a un autre problème. Parce qu'à la limite, on dit oui, bon, aujourd'hui, tu sais, la forme, on s'en fout un peu. Ce qu'on veut, c'est le fond, il y a le texte. Oui, il y a le texte, mais c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a le texte avec ça de notes et ça de texte. Si tu veux, ce qui se passe dans Généalogie de la morale, c'est assez intéressant parce que c'est un livre qui est très violent. Nietzsche dit des trucs violents qui sont pas forcément adaptés aux mœurs d'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? T'as un genre de couple, tu vois, avec Nietzsche, qui est un mec un peu bourré, tu vois, et qui déclame des trucs au dîner, et sa femme, la modernité, tu vois, qui dit « Non, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire, en fait !» plein cul, tout ça, machin. Il dit des trucs incroyables, c'est plus subtil que ça. Mais il a une voix directe, et là, il dit « Non, mais en fait, quand il dit ça... » Il faut toujours surinterpréter environ 2/3 de la page pour 1/3, pour que nous, on soit pas choqués. On n'a pas besoin de ce genre de choses. Laissez-nous lire le texte original. Il a dit des trucs qui sont pas dans les critères de France Inter. Il connaissait pas France Inter, il y a pas de mal avec ça. Dès que t'as, tu vois, entre deux rendez-vous, t'as une demi-heure au soleil, tu lis. Pas de soleil à Paris. Mais pourquoi je m'énerve là-dessus? Parce que je suis tombé sur d'autres éditions. Celle-ci, par exemple, petit texte de Dostoïevski, traduit, tout ça, 1921. Regarde à quel point c'est épuré. On n'est pas sur des grandes éditions, tu vois, c'est pas du cuir avec des dorures, on te demande pas ça. Juste, c'est simple, on nous prend pas pour des cons, et je comprends pas ce que fout un mec avec un arc, mais c'est pas important, ça fait une belle édition. La forme, c'est important. Ouais, mais on peut s'insurger contre ça, parce que quand tu montres le livre de Dostoïevski, ouais. Là, il y a des gens qui ont juste voulu te donner, presque avec amour, le livre de Dostoïevski. Et là, quand tu montres Nietzsche, ça c'est la visite dans le parc d'attractions supervisée avec la sécurité, avec le gilet, le machin, le machin. Exactement. Alors que là, c'est purement, on se soumet à la grandeur de Dostoïevski et on donne en fait pas juste, trop. C'est ça. On n'en fait pas trop, il n'y a pas besoin d'un moderne pour nous faire, pour mmh. nous c'est chier vraiment, un tableau de la ce genre. Supervision, comme si on était des imbéciles, des abrutis et qui avaient besoin de nous castrer. Ouais, mais à la limite, aller au bout. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que là, le mec qui a fait ça, il voulait encore faire quelque chose de beau. Tu vois, il s'est dit, c'est le moderne, mais quand je dis aller au bout, c'est mettez des éclairs. Regarde. C'est la boisson qui a... J'ai pas la boisson, mais regarde, Fred Delavier, qu'est-ce qu'il fait? Il met des éclairs, c'est-à-dire Fred Delavie, il est à fond dans la modernité, il dit très bien, maintenant je peux faire un beau papier glacé de bonne qualité, je vais mettre du muscle et des éclairs. Mettez du muscle et des éclairs, allez au bout, mais pas cette espèce de demi-truc de merde. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est pas de payer cher, c'est qu'il n'y a pas d'offre. Faites-moi payer 10 balles de plus, ouais. Et que j'ai quelque chose que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Mmh. Et mes enfants n'ont pas besoin de la morale d'aujourd'hui qui est apparue il y a 50 ans pour comprendre le texte. Et pour finir sur une touche positive quand même, on en a qui s'en sortent bien, il y a des trucs qui sont encore possibles aujourd'hui, c'est Babel. Et Babel, ouais, c'est celui-là. Babel, il profite qu'aujourd'hui on puisse imprimer de belles choses sur un papier mat pour... mettre une belle œuvre, titre, auteur, c'est pas compliqué. C'est un poil cher, mais c'est pas délirant non plus. Mais eux profitent vraiment, et ça peut traverser du temps. C'est un appel. S'il vous plaît, arrêtez d'éditer des trucs moches. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, il n'y a pas de problème, on peut faire quelque chose. Mais ne profitez pas de la modernité pour nous faire des trucs moches, parce que ça se voit, vous pouvez faire autrement. Voilà. Si eux, en 1921, il y a 100 ans, ils pouvaient faire autrement, on peut faire autrement.